Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Aéronautique TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une règle à partir d'une barre de fer. Voilà, c'est parti. Munissez-vous de lunettes de protection et c'est parti. Donc déjà les gars, il vous faut une barre de fer. Voilà, de... Bon, moi la mienne, elle fait combien? Donc munissez-vous de lunettes de protection et c'est parti. Donc après il faut une barre de fer. Bon, la mienne elle fait 47 cm. Donc on va la régler pour qu'elle fasse 20 entre 15 et 20 cm. Donc vous prenez votre mètre comme ceci. Et vous allez prendre un feutre. J'arrive pas à ouvrir. Montage. Donc on mesure et là on veut que ça fasse entre 15 et 20, donc on fait une marque à 15 et une marque à 20. Tac, on va faire le stylo et du coup normalement vous devez vous retrouver quelque chose qui ressemble à ça pour l'instant. Voilà, et nous notre règle à faire soit là ou soit là. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, comme j'ai pas de plieuse, bon, on va le faire à la perceuse, on va faire plusieurs trous, puis après on va taper à l'étau. Donc c'est parti. On se place. Et vous allez faire plusieurs trous de en bas en fait. Donc les gars, après avec l'aide du padré, parce que j'arrivais pas avec la perceuse, normalement il faudrait une meuleuse, mais elle est pas là. Donc du coup, on a forcé, on l'a tendu, puis du coup ça s'est pété. Donc après, on branche ceci et c'est parti. On va aller meuler ceci là pour que ce soit plus propre. Du coup là je l'ai meulé parce que ça sera mieux. Et regardez ce que ça donne. Enfin, faites gaffe, c'est brûlant. Voilà. Donc ensuite, on range un peu l'établi. Voilà. On peut sortir les lunettes. Et maintenant, on va prendre. Du coup j'ai fait de 20 cm. Hein. On va prendre le WD-40. Pour essayer d'enlever la marque de feutre. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée, pardon. Donc le WD-40, voilà. On en met un peu. On prend. J'en ai pas ici. Si, j'en ai un. Un chiffon. Voilà, comme ceci. Et on frotte. Mais c'est parti, nickel, les gars. Regardez. Il n'y a plus rien. Je vais en mettre un peu sur le côté parce qu'il y en a. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos de bricolage. Parce que moi j'adore, c'est trop bien. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. À vous abonner. À me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en commentaire. Parce que j'arrive toujours pas à la description. Sur ce les gars, portez-vous bien. Ciao.